Bonjour, bienvenue à la médiathèque centrale de la ville de Perpignan, dans notre bel espace Images et Sons. Les bibliothécaires de la médiathèque sont heureux de vous proposer une sélection vidéo de nos dernières fictions, en attendant bien sûr la réouverture des salles obscures. Alors pour commencer cette première sélection, nous souhaitons rendre hommage à une actrice qui a disparu déjà il y a 10 ans. Il s'agit d'Annie Girardot, puisque le 28 février prochain, ce sera déjà la date d'anniversaire de sa disparition. Et donc nous avons souhaité mettre en lumière la filmographie de cette actrice qui a eu des hauts et des bas, mais qui a une carrière tout à fait exceptionnelle. Alors Annie Girardot a débuté avec notamment des auteurs qui l'ont permis d'acquérir une renommée internationale, telle que Visconti. Notamment, nous vous proposons bien sûr de redécouvrir ce chef-d'œuvre Rocco et ses frères, où elle fait une interprétation magistrale. À mon sens, c'est peut-être l'un des meilleurs films d'Annie Girardot, aux côtés d'Alain Delon, mais également de Roger Hanet et Renato Salvadori. Et puis, bien sûr, si Annie Girardot a été un petit peu écartée par la nouvelle vague, eh bien, c'est Claude Lelouch qui, en France, va lui permettre d'acquérir une grande notoriété populaire avec des films tels que Un homme qui me plaît. Mais je souhaitais aujourd'hui mettre plus l'accent sur une partie de sa filmographie et de sa collaboration avec le cinéaste André Cayatte. Alors André Cayatte est un écrivain, est un avocat de formation qui a notamment dans les années 70 réalisé beaucoup de films autour de la machine judiciaire, des films un petit peu dossiers, des films fiction, mais très intéressants et passionnants. Et notamment la collaboration avec Annie Girardot va se résumer en fait autour de deux films que nous vous proposons. Alors le premier date de 1971, il s'agit de Mourir d'aimer, où il adapte ici un fait divers. C'est l'histoire d'amour tragique et vrai de Gabrielle Russier, qui était une professeure de lycée et qui est tombée amoureuse d'un de ses élèves et qui va se retrouver jetée en prison. Voilà, donc de ce drame, Cayatte tire un film absolument bouleversant, un mélo indigné va-t-on dire, et où Annie Girardot fait une interprétation absolument magistral. C'est un des plus gros succès en salle de Annie Girardot, puisque 6 millions de spectateurs auront vu le film lors de sa sortie en 1971, et donc c'est un film vraiment à revoir de toute urgence. J'entends que vous laissiez mon fils tranquille. Véra ! Quitte cette sorcière ! Tu ne vois pas ce qu'elle fait de toi ? Vous prenez plaisir à le détruire ! À détruire tout ! Véra ! Vous voyez bien que vous pouvez s'en prendre ! Je deviens dingue là-dedans. Complètement dingue. Ouvrez-moi ! Vous connaissez son âge? Pour moi, c'est un homme. Jeune. Je l'aime. En Maître, tous les enfants se sont pris pour des hommes. Mais la loi est restée la loi. Et puis, pour terminer sur la sélection autour d'Annie Girardot, un autre film d'André Cayatte, donc une collaboration un peu plus tardive, en 1977, où là, dans ce film, nous allons retrouver donc l'actrice aux côtés de son compagnon de l'époque, Bernard Fresson, où le film va donc à chacun son enfer relater l'enlèvement d'une fillette. Et c'est vrai que dans ce film-là, Cayatte, donc, à travers le calvaire vécu par cette femme, va nous montrer un petit peu les travers de la société française de l'époque, avec notamment tout le déchaînement médiatique autour de ce kidnapping, le voyeurisme malsain de la population, mais aussi, on va dire, le jugement d'un commissaire suspicieux. Et vraiment, Annie Girardot fait, je crois, là aussi une prestation formidable. Vous verrez que le dénouement est totalement inattendu. Le film a peut-être un petit peu vieilli, parce que c'est un film qui maintenant a quelques années, mais je
pense que c'est une œuvre d'André Cayat qui n'est pas forcément très connue, mais qui a eu beaucoup de retentissement, qui a beaucoup frappé l'esprit des spectateurs en son temps. Et vraiment, la médiathèque vous invite à le visionner et à le revoir chez vous. Voilà. Moi, ma petite. Je vous donnerai l'argent, j'irai même vous le porter moi-même si vous voulez. Demandez-moi tout ce que vous voulez, je ferai tout ce que vous voudrez. Rendez-moi ma petite fils, ramenez-la moi, je vous en supplie. Je vous en supplie, monsieur. Je vous en supplie. Alors, dans un registre plus léger, je vous propose à présent une des dernières acquisitions de la médiathèque. Un film de Julien Duvivier, Le Diable et les Dix Commandements. Alors, ce film est vraiment a bénéficié d'une restauration exceptionnelle et il est proposé dans sa version intégrale, puisque pendant de nombreuses années, ce film à sketch a été vu sans le court-métrage sur la luxure. Et donc, les éditions Coin de Mire proposent de réintégrer dans ce sketch la luxure interprété par Mireille Darc dans sa version telle que la voulait le réalisateur Julien Duvivier. Donc vous allez voir que d'abord vous avez une distribution tout à fait époustouflante, Alain Delon, Jean-Claude Brialy, Michel Simon, Charles Aznavour, Micheline Presl, Fernandel, Louis de Funès, Danette Darrieux, Lino Ventura. Et vous allez voir également que les dialogues sont tout à fait mémorables puisqu'ils sont signés non seulement de Michel Audiard mais également de Henri Janson et de Pascal Jardin. Alors, outre le fait que le film est donc restauré en scope, une très belle édition en Blu-ray et en DVD, cette édition Coin du Mire nous propose en fait un grand plus, puisqu'il s'agit de refaire un petit peu le film à la séance des cinémas de quartier d'autrefois. C'est-à-dire que en première partie et en complément de programme, vous allez pouvoir redécouvrir au sein de ce magnifique objet, non seulement des textes écrits à l'époque par les critiques de cinéma, mais également vous allez en première partie, comme en première partie de séance, redécouvrir ce qu'on appelait les réclames d'époque, mais également les actualités restaurées en HD. Voilà, donc c'est un très très bel ouvrage qu'on vous propose de revoir ou de redécouvrir dans sa version intégrale. Vous passerez un agréable moment avec donc ces sketchs des Dix Commandements et la voix et la diction tout à fait exceptionnelle de Claude Riche en voix du diable, donc que je me permets aussi de vous souligner. Voilà, bon visionnage avec Le Diable et les Dix Commandements. Monsieur Antoine Vaillant? Non. Oui, mais c'est qui passait dans l'appareil? Le fakir, l'extralucide, le prince de la voyance. Si c'est pour me proposer un horoscope. Monsieur préfère sans doute les devinettes. En voici une. Qui est-ce qui parlait d'éléphant vendredi à 10h15 dans un établissement à succursale multiple? Ça, c'est pas. La police non plus, mais ça pourrait venir. Monsieur, votre voix est celle d'un gentilhomme, mais je m'étonne que vous ne vous soyez pas encore présenté. Vous êtes maître chanteur. Occasionnellement, mais ce n'est pas mon métier de base. Ah, ben vous avez tort, vous faites ça très bien. Ah, vous êtes vraiment, monsieur, le plus gracieux des hommes. Et vous pourriez l'être encore davantage. Soyez dans un quart d'heure, cours du Louvre, au pied du carrousel. Je vous préviens que je n'attendrai pas. Allô? Pour terminer notre sélection du jour, nous vous proposons deux films d'un cinéaste incontournable français, Maurice Pialat. Donc on va commencer par L'Enfance Nue, qui est un de ces rares films qu'il est indispensable d'avoir vu, qui vient d'être édité par la Gaumont,
à l'unité, puisqu'auparavant ce film n'existait qu'en coffret. Et donc là, L'enfance nue vient de ressortir dans une version restaurée, tout à fait admirable également. Alors c'est un film de 1968 qui a obtenu le prix Jean Vigo, qui nous raconte bien sûr l'histoire d'un enfant de, c'est l'histoire d'un enfant de 13 ans, donc issu de l'assistance publique, qui va être placé chez des sexagénaires dans le nord de la France. Et cet enfant a quelquefois des accès de violence, et donc il va en fait un petit peu commettre les 400 coups. Alors c'est un film vraiment exceptionnel parce qu'il garde toute sa modernité. C'est le premier long métrage de Maurice Pialat à l'âge de 43 ans, donc, et qui va lui permettre vraiment de s'imposer comme un cinéaste tout à fait moderne. Voilà. Et puis la thématique du film aussi nous permet de rappeler aux spectateurs donc, qu'il s'agit de faire le constat sur un monde vrai, une tragédie quotidienne de cette enfance-là que nous avons tendance quelquefois à oublier. Alors les compléments au film sont absolument passionnants puisque vous allez retrouver donc plusieurs entretiens, notamment avec Arlette Langman, qui était la compagne de Maurice Pialat à l'école, mais également à l'époque, mais également la scénariste du film, Patrick Grandperret, qui est l'assistant réalisateur du film, qui reviennent sur la manière très particulière de Maurice Pialat pour la réalisation de ce film. Et puis aussi ce qui est intéressant de retrouver, c'est un entretien avec Michel Tarazon, donc l'acteur principal, qui bien sûr est adulte aujourd'hui, et qui nous parle de ses premières expériences au cinéma aux côtés de Maurice Pialat. Et également dans ce DVD, on retrouve les courts-métrages turcs de Pialat, Byzance, La Corne d'Or, Istanbul, et également un entretien avec Willy Curran, qui est le chef opérateur. Voilà, donc revoyez sans tarder L'enfance nue, ou découvrez-la, cette œuvre, aux côtés également d'une autre proposition de la médiathèque de Perpignan, que nous avons acquis il y a déjà quelques années, et qui est une œuvre télévisuelle de Maurice Pialat, donc un des grands succès de l'ORTF dans les années 70, La Maison des Bois, interprétée toujours par Michel Tarazon, et donc on y retrouve également Pierre Doris, et c'est une excellente série télé, et que Pialat considère dans son œuvre peut-être comme son ouvrage le plus réussi. Voilà, donc nous terminons avec cette sélection de Maurice Pialat et nous vous souhaitons un excellent visionnage et puis nous vous disons à très bientôt dans les murs de la médiathèque. Alors pour terminer notre visionnage du jour, nous vous rappelons que depuis le portail de la médiathèque de Perpignan, en tant qu'abonné, vous pouvez bien sûr accéder à une proposition VOD par médiathèque numérique, et que cette fois-ci nous vous signalons que la Cinéthèque vient d'intégrer la plateforme de médiathèque numérique, avec notamment toute une filmographie proposée par des réalisateurs prestigieux, Jacques Audiard, les frères Dardenne, Martin Scorsese, qui ont recensé leurs 50 films de chevet, et donc vous allez pouvoir visionner les films préférés de ces grands réalisateurs sur médiathèque numérique. Je rappelle que vous avez un quota de 3 films en VOD par mois, donc n'hésitez pas à consulter ces ressources en numérique depuis le portail du réseau des bibliothèques de la ville de Perpignan.